Bonjour, je m'appelle Hervé Payet, magicien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tour de l'allumette cassée à travers un foulard et reconstituée avec des passes magiques. Bonjour. Bonjour. J'ai un petit bâtonnet que je vais mettre au milieu de cette serviette. Okay? Maintenant, je vais vous demander de briser ce petit bâtonnet. C'est bon? Il est bien brisé? Ah, oui. Vérifiez que c'est bien brisé. C'est sûr. C'est sûr? Bien cassé, oui. Bien cassé? Ok. Maintenant, je vais faire une passe magique. Et le bâtonnet est reconstitué. On va passer à l'explication du tour. Pour ce tour, il vous faut une serviette avec un ourlet. Il vous faut également un petit bâtonnet ou comme ceci, une allumette géante dont j'ai coupé le bout rouge. Si vous n'avez pas de grande allumette, vous pouvez utiliser une petite allumette. La paire de ciseaux, c'est tout simplement pour couper le bâtonnet en deux. Vous prenez l'un des deux bâtonnets que vous glissez à l'intérieur de l'ourlet et vous le glissez au milieu de la serviette. L'autre bâtonnet, vous le mettez au milieu. Ensuite, vous pliez. Vous avancez ce bâtonnet qui est dans l'ourlet, juste devant l'autre. Vous repliez. Et là, vous reprenez le bâtonnet qui est dans l'ourlet, sachant que l'autre se trouve ici. Ensuite, vous tendez la serviette à un spectateur pour que lui-même brise l'allumette. Mais vous ne lui donnez pas la serviette, vous la tenez bien dans vos mains. Il suffira qu'il la casse. Voilà. Et l'autre, bien sûr, morceau est ici, en dessous, à l'intérieur. Ensuite, vous reposez la serviette. Vous faites quelques passes magiques. Et l'allumette est reconstituée.